Le message du soir avec la voix du yoga. Alors, on a cette carte à l'envers et c'est Svadaya. Je te la mets à l'endroit, mais la lecture va être à l'envers. Qui êtes-vous? Cette question peut sembler brusque et impolie, mais c'est une question que vous devriez vous poser tous les jours. Lorsque nous ne nous demandons pas qui nous sommes, nous acceptons d'être ce que d'autres ont choisi que nous soyons. En vérité, vous n'êtes pas votre personnalité, qui n'est qu'une façade temporaire et en constante évolution, que vous utilisez pour interagir avec le monde extérieur. C'est le moment d'approfondir la nature même du soi. Vous êtes bien plus que ce que peut vous révéler un test de personnalité ou même vos doshas. Vous êtes l'âme infinie du monde, existant à travers toutes les expériences, tous les corps, toutes les personnalités et toutes les vies. Reprenez contact avec ce moi infini et éternel par le biais de tout ce que vous faites, de tout ce qui vous fait, pardon, oublier qui vous êtes. Méditez, dansez, chantez des mantras, passez du temps immergé dans la nature, dépassez vos croyances. Vous remarquerez que votre personnalité change rapidement et s'ancre dans votre vérité lorsque vous êtes réunis avec votre âme.